énormément sur les défenseurs, bon dos au jeu. Il faudra donc se méfier sur ces longs ballons de sa taille athlétique. Oui, donc c'est gauche de la défense lyonnaise. Bien ressortir par Melvin Barr. Et on va pouvoir se ressortir avec Ryan Cherki. La transversale tentée. Allez, Yaya. Avec David, le ballon qui reste dans les pieds lyonnais. Ryan Cherki, le bon travail. Le centre contre Thomas. Avec Issiar Dramé. Ryan Cherki. Max Roidlinger, premier poteau repoussé par Réo Griffiths, venu prêter main forte à la défense lyonnaise. Le contre à venir peut-être. Une belle génération qui peut aller loin en Youth League et également en Coupe Gambardella. Ça, et d'aller chercher le joueur libre à l'opposé. Ryan Cherki entre 4 joueurs tchèques. On l'avait joué vite tout à l'heure, ce sera encore le cas maintenant. Ryan Cherki. Le petit ballon entre eux. Ouais, techniquement, c'est des super joueurs, donc il n'y a pas d'inquiétude pour pouvoir trouver après nos attaquants. Bien joué, Ryan Cherki, la frappe, pied droit, les cadets. On suit sur cette compétition. Allez, peut-être une nouvelle situation, Ryan Cherki. Et oui, fini, Réo Griffith. But. Oh, la barre transversale, oh, quelle occasion. Et c'est là où on arrive aussi à le mettre en difficulté. Et on voyait plus Maxence Cacré et Titouan Thomas. Voilà, Titouan Thomas avec Ryan Cherki qui a... On a provoqué. Qui s'est excentré côté droit, qui est venu provoquer au milieu de la défense tchèque. Et qui va encore insister, la talonnade, qui il y a moins de deux semaines, hein, oui. C'est le dernier joueur à arriver en provenance du Sporting Club d'Accra. Ryan Cherki cet après-midi, l'anglais. Et là c'est Ryan Cherki encore entre le renversement de jeu. Ryan Cherki, la prise de balle qui va prendre de la vitesse. Rentrer dans le cœur du jeu vers Maxence Cacré. Voilà, regardez. Bien fait en une touche de balle dans l'axe, de Wendika pour Ryan Cherki dans allez. L'axe avec Réo Griffiths. Entre fixé, allez, à jouer. Ryan Cherki, il va y aller tout seul. Ryan à l'entrée de la surface de la balle sur le tir. Ça passe à quelques centimètres. À l'abri, en tout cas, dans une position confortable. Il va y aller tout seul, il va frapper ses contrées, ça reste dans les pieds de Ryan Cherki, dans ses œuvres entre 3-4 joueurs. Est-ce qu'il va obtenir un coup plus de hargne, les Tchèques. Bonne récupération de Ryan Cherki. Il est passé face au 12. Il y a peut-être un avantage, monsieur l'arbitre, là, faudrait revenir à la faute. Bien joué, Pierre. Pierre Kaloulou qui ne s'est pas fait éliminer, qui est resté debout, qui a réussi à pousser la balle à Ryan Cherki, qui a après intelligence de placement et. On a pas mal et de jeu vers l'avant. Qui est le vice-capitaine. Second but qui ferait du bien pour la suite de la rencontre. Ryan Cherki. Ah, il est passé, c'est bien fait. De la part du milieu de terrain lyonnais qui va venir fixer, décaler Lenny Pintor. Qui est coupé vers l'avant et c'est intéressant, ça nous permet de récupérer les ballons. Il y a une bonne passe de Maxence Cacré pour Ryan Cherki. Dans les petits espaces. Ryan Cherki ou Théo Ndika face à Tranfil juste avant l'heure de jeu, ce sera Ryan Cherki. Il s'est élancé, il a contourné le mur. La deuxième mi-temps, je pense que aussi notre occasion à la 47e les a refroidis. Et souvent retrouvé tout seul, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu venir l'aider un peu plus pour essayer de mettre un petit peu de... Jouer vite et court, ce coup franc, Ryan Cherki au but, il a résisté, monsieur l'arbitre, toujours il y a pas. Peut-être quelque chose. La saison dernière, c'était d'ailleurs le capitaine de Stéphane Roche et Gilles Rousset. Il évolue cette saison avec la Nationale 2. Alors Ryan Cherki qui sort au profit de Gerzino Fumon, donc c'est un choix également de pouvoir mettre un joueur avec plus de volume